السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون فيه اللغة الفرنسية، فرد من فروض اللغة الفرنسية، المستوى الأولى إعدادي، الموسم الدراسي 2022-2023، الدورة الأولى، المرحلة الأولى من هذا الفروض. اليوم غادي ندير معكم فقط فرد ديال كومبريونسيون دو ليكري، لونغ كومينيكاسيون، وبالنسبة للفرد ديال لا بروديكسيون إكريت إن شاء الله غادي يكون في فيديو آخر. دونك غادي نبداو على بركة الله وغادي نبداو بلي كيستيون دو كور. كيستيون دو كور، عندي واحد السؤال هنايا، سي كوا لو كونت؟ دونك لو كونت سي اون هيستوار ايماجينير، دونك سي هيستوار، سي اون هيستوار ايماجينير، سي اون هيستوار ايماجينير، se compose de trois parties. Se compose de trois parties. Début, l'action, ou bien les actions, et la fin. C'est ça la définition d'un conte. D'abord, on dézoule le texte. Un pauvre paysan. Je vais vous lire le texte. Suivez avec moi. Il était une fois un paysan qui travaillait dans ses champs. Malgré tout, il était pauvre, car la terre qu'il labourait n'avait jamais donné de bonnes récoltes. Le jeune Humain était chétif et minuscule, mais très beau, intelligent et aimable, de tout parce qu'il gagnait son argent de ses propres mains. Son seul défaut est qu'il était resté célibataire. Un matin, Humain aperçut une belle créature en se dirigeant vers ses champs, la princesse Yaqut. Il voulut lui parler mais hésita. Maintenant ce fut il qui l'aborda. « Bonjour, jeune homme, que cultiviez-vous dans ces champs ?» demanda-t-elle. « Des oranges, princesse » répondit le paysan en lui donnant une. Et le remercia. Le lendemain, le jeune homme frappa aux portes du palais et demanda à la princesse au mariage. « Je la donnerai à qui pourra nous ramener la perle du laguille du dragon » dit le roi. قبل ما نجاوب على الأسئلة نحاول نشرح لكم هذا التكست. Le pauvre paysan يعني واحد فلاح فقير. إلا تتشوف فوا كان يا ما كان واحد الفلاح اللي كيخدم في الحقول ديالو مالغري تو، يعني بالرغم من هادشي كامل، هاد العمل كامل، إلي تي بوبغ فقير، حيت هاد لاتيغ، هاد الأرض اللي كيحرثها مبقاش كتعطيه محصول اللي هو وافر. لو جون حمان، هاد لو جون نسميه حمان، إتي شيتيف اي مينيسكول، إلي مينيسكول قصيصر ورقيق بزاف، مي تخي بو ولكن زوين. Intelligent, qui est aimable ou mahboub, de tout parce qu'il gagnait son argent de ses propres mains. Mahboub عند كل شيء حيتاش كيربح فلوسو، يعني كنقولوا بعرق جبينو. Son seul défaut est qu'il était resté célibataire. العيب ديالو الوحيد هو انه باقي célibataire، يعني باقي ما مزوجش. Un matin, واحد الصباح، Humain aperçut une belle créature en se dirigeant vers ses champs, la princesse Yaqut. هاد Humain واحد الصباح كان غادي للحقول ديالو هو يشوف لا برانسيس ياقوت، هاد الأميرة مسمية ياقوت. Il voulut lui parler mais hésita. بغا يهضر معاها ولكن ما زعمش. Maintenant ce fut elle qui l'aborda. وهضرات معاه ياقوت. Bonjour jeune homme, que cultivez-vous dans ces champs? شنو كتزرع في هاد الحقول؟ Des oranges princesse. كيدير البرتقال. Répondit le paysan en lui donnant une. هاد لو بيزون جاوبها وعطاها واحد البرتقاله. Il le remercia, شكراتو. Le lendemain بعد غدا، le jeune homme frappa aux portes du palais. هاد le jeune homme مشى كيدق في الباب ديال القصر. Et demanda la princesse au mariage. وطلب هاد الاميره للزواج. Je la donnerai à qui pourra nous ramener la perle de l'aiguille du dragon dit le roi. غادي نعطيها لهذاك اللي غادي يجيب لي داك الجوهره من الفم ديال لو دراغون ديال التنين. دونك هذا الكلام ديال لو روا ديال الملك باباها ديال لا برانسيس. دابا غنجاوب على الاسئله اللي عندي هنا. كومبريونسيون دو تكست، بار لا بون ريبونس، غادي نحاول نشطب على الجواب الصحيح. لو جونغ دو تكست، لو تكست ايت ان جورنال او بيان ان كونت او بيان ان بوان. C'est un conte, c'est facile, parce qu'il y en a, il était une fois. Ce texte se situait au début, à l'action ou bien à la fin. Se situait au début. Au début. Car il y en a la formule de début. Elle était une fois. C'est bien. Question 3. Troisième question maintenant, c'est qui le personnage principal? Donc le personnage principal est un paysan. La quatrième question maintenant, suivez avec moi. Classe les adjectifs de la phrase ci-dessous selon le portrait valorisant ou bien dévalorisant. Donc, à de la phrase, il y a des adjectifs. À d'une classe, selon le portrait. Le portrait valorisant et le portrait dévalorisant. Toujours portrait valorisant, c'est-à-dire donne une valeur. D'accord? Donc, positif. Et par contre, ici, négatif. D'accord? Les adjectifs, il y en a. Chétif, le jeune homme était chétif, minuscule, mais très beau, intelligent et aimable. Il y en a chétif et minuscule, ce sont des adjectifs qui appartiennent au portrait dévalorisant. Chétif et minuscule. Mais par contre, il y en a beau, il y en a intelligent, et il y en a aimable. Ce sont des adjectifs qui appartiennent au portrait valorisant. Question 5. Le jeune Humain est pauvre ou riche? Le jeune, l'ismu Humain, wesh huwa pauvre, wesh huwa faqir ou la ghani? Donc, le jeune Humain est pauvre. Faqir. Je n'ai la justification, il a regardé le texte, le titre, le pauvre paysan. Il était pauvre car la terre qu'il labourait, etc. Donc on peut dire comme ça. Hein? Car la terre qu'il labourait n'avait jamais donné des bons récoltes. D'accord? Des bons récoltes. La sixième question, qu'est-ce qu'il a dit le roi au jeune Humain? Shnou qal le roi le jeune Humain? Ghadi rja hanaya ghadi tlqa. D'accord? Hanaya ana shnou qal le roi. Anketbouha. Donc il a dit je la donnerai à qui pourra nous ramener la perle de la huile du dragon. On passe maintenant vers langue et communication. Célina, la compréhension de la langue et communication. Relève les informations contenues dans la formule suivante. Les informations. Donc, on a de la formule, il a dit, la formule de début. Ou bien la formule qui introduit le compte. Donc, il faut bien la formule qui introduit le compte. La formule de début, le personnage principal qui... Le verbe à l'imparfait et des informations sur le personnage principal. Donc, Radin Qassama, elle était une fois un paysan qui travaillait. Donc, il était une fois ici. C'est une formule de début. Il était une fois. Elle était une fois. Après, le personnage principal. Un paysan. Un paysan. Le pronom qui. Travailler, c'est un verbe conjugué à l'imparfait. C'est un verbe du premier groupe. Dans ces champs. Ces champs sont des informations. Dans ces champs. La question suivante, suivez avec moi. Mais les adjectifs valorisants suivants dans une phrase en utilisant le verbe être à l'imparfait de l'indicatif. Juste les phrases, ou la phrase, on s'amloufia les adjectifs belle et courageux. Les adjectifs belle et courageux, adna belle. C'est belle hna ou courageux. Courageux. Belle, c'est un adjectif féminin. Au courageux, c'est un adjectif masculin. Donc, elle. Donc, elle était, verbe être, elle était belle. Et ici, l'était. Il était le verbe être aussi avec le pronom il du singulier masculin. On a un singulier féminin. Elle était belle, il était courageux. Troisième question, suivez avec moi. On tourne les expressions qui peuvent remplacer l'indicateur de temps un matin. Donc un matin, indicateur de temps. Quand c'est le bêche, nous raconter un événement inattendu. Donc un jour, le mois prochain, autrefois. Donc là, on peut remplacer un matin par un jour et aussi autrefois. Quatrième question, conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. Donc le verbe indi, arriver, verbe du premier groupe. Vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. Les chasseurs, c'est il du pluriel. Donc arriver, je vais écrire arriver, comme ça, je supprime ER. Je supprime ER et j'ajoute les terminaisons. Terminaison du passé simple avec les verbes du premier groupe, avec il du pluriel, c'est ERENT, avec E accent grave. Oui, les chasseurs arrivent à côté d'une forêt. On passe vouloir, le verbe vouloir. Je supprime OIR aussi, comme ça, et j'ajoute les terminaisons. Donc pour les verbes du troisième groupe, j'ajoute US, US, UT, UMES, UTES. URENT, donc IUT. Donc elle voulu aller dans la forêt. La cinquième question et la dernière, complète le vide par des verbes être, avoir, conjugué à l'imparfait. Comme le imab avoir ou le être conjugué à l'imparfait. Parce que pour conjuguer le verbe avoir à l'imparfait, pour décrire verbe être, toujours on dit le verbe être plus adjectif directement. Mais verbe avoir, on met le verbe avoir plus nom, plus adjectif. Donc la femme pauvre, ici l'adjectif pauvre. La femme était directement. La femme était, le verbe être. La femme était pauvre, mais serviable. Obtenez l'adjectif. Donc elle était aussi. Elle était serviable et aimable. Elle, deux filles. Ici, le verbe avoir. Elle avait deux filles. Et ici, elle, toujours s'oriente. Elle était toujours s'oriente. Ou bien, elle avait toujours s'oriente. Non, elle était. A-I-E-N-T, toujours s'oriente. وبهذا كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص من فروض اللغة الفرنسية مستوى الأولى إعدادي. كنت معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.